Bonjour et bienvenue dans ce quart d'heure d'information. Le 43e sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a ouvert ses portes hier à Abuja, capitale nigériane. La rencontre de 48 heures est présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. La situation au Mali et en Guinée-Bissau sont entre autres les sujets abordés au cours des travaux qui ont démarré dans une ambiance d'espoir et d'optimisme. Jérôme Kofi Aboulin. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a ouvert les travaux de la 43e session ordinaire. Le discours prononcé à cet effet, se voulant intégrateur, le président Alassane Ouattara a salué tous les efforts entrepris en vue du développement des États africains, appelant surtout à la consolidation de ces efforts face au terrorisme toujours menaçant. Il a souhaité la mise en place d'une politique de défense, d'adaptation, avec le soutien de la communauté internationale. Nous devons espérer à notre sein la mise en place d'une politique et d'une capacité de défense adaptée aux menaces du moment et enrichie de notre expérience au Mali. C'est dans cet esprit de solidarité que je souhaite que la conférence de Paris sur la sécurité prévue en décembre prochain contribue au renforcement des capacités africaines et à l'émergence de réels partenariats entre l'Afrique et l'Europe en matière de défense. La communauté internationale doit continuer de soutenir nos efforts au Sahel en mettant en œuvre de manière coordonnée et concertée. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et le ministère du Plan et du Développement organisent un atelier de vulgarisation du PND, le Plan national de développement. Cet atelier vise à permettre aux diplomates ivoiriens de mieux comprendre le document sur le Plan national de développement 2012-2015 afin d'en faire un instrument principal de l'action diplomatique. Honorine Anigori. Le gouvernement ivoirien veut donner un coup de pouce au processus de mobilisation des fonds pour le plan national de développement estimé à 11 000 milliards de francs CFA. Un plan qui vise à ramener la Côte d'Ivoire sur le chemin d'une croissance soutenue et inclusive pour devenir un pays émergent à l'horizon 2020. Ce plan vise à améliorer les conditions de vie des populations, mais également à garantir un état des droits, mais également à assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire et aussi assurer la bonne gouvernance dans la gestion de l'action publique. La responsabilité du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est grande dans la conduite de ce dossier. En plus de l'exécution des actions relevant de sa compétence, il est appelé à appuyer les initiatives de recherche de financement du dit plan à 60% sur les 11 000 milliards prévus. La présence massive des diplomates à cet atelier a un double sens. Elle est avant tout la manifestation de l'adhésion de ceux-ci à la nouvelle orientation donnée à la diplomatie ivoirienne par le chef de l'État, avec pour animateur principal son Excellence M. Charles Diby Kofi, notre ministre de tutelle. Elle est aussi la preuve de leur engagement à mettre leur expertise au service de la vision politique du président de la République, diriger notre économie au rang des économies émergentes en moins d'une décennie. Résultat attendu, l'amélioration des conditions de vie des populations par une relance économique durable de la Côte d'Ivoire. Les résultats des examens du baccalauréat ont été proclamés lundi dernier. L'on a enregistré 33,58% de taux de réussite, un chiffre relativement faible mais encourageant si l'on tient compte des résultats de l'année précédente. Avec les résultats du bac, les examens à grand tirage au titre de l'année 2013 ont donc pris fin. Que peut-on espérer dans les années à venir? Francis Boisfaux porte un regard sur les examens à grand tirage en général au cours de ces trois dernières années en Côte d'Ivoire et les défis à relever pour les examens à venir. Suivez ce reportage. Cette année encore, le taux de réussite au bac reste relativement faible.
33,58% toutes les 16 séries confondues. Le taux de réussite au BEPC est de 40,17% en 2013, quand l'on notait 17,03% en 2012 et 16,88% en 2011. La satisfaction vient des tout petits. 67,03% d'admis cette année au CEP, 55,07% en 2012 et 58,22% en 2011. Malgré la grisaille, l'on constate d'une manière générale une évolution d'une année à l'autre. Quand on compare le taux de réussite des deux dernières années au bac, 33,58% contre 25,22%, l'on constate une hausse de 8,36%. Au niveau du BEPC, cette hausse du taux d'admis s'élève à 23% et 11,96% chez les élèves du primaire. C'est dire que des efforts ont été faits ces trois dernières années, même si les résultats des examens à grand tirage n'ont pas atteint la norme exigée par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, qui est d'au moins 75% d'admis à la fin des examens. Pour les responsables de la direction des examens et concours d'ECO, tous ces résultats qui s'améliorent sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Surtout, le dialogue franc instauré entre le gouvernement et les responsables syndicaux et la détermination du gouvernement à redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Il le fallait, eu égard des difficultés auxquelles était confrontée l'école ivoirienne. Première difficulté au lendemain de la crise post-électorale, le manque criant d'infrastructures d'accueil, là où les salles de classe et salles de travaux dirigées pouvaient recevoir des élèves, le matériel didactique faisait défaut. Ou quand il existait, il était en mauvais état. 2012, le gouvernement fait de la normalisation de l'école ivoirienne sa priorité, comme en 2011. Des salles de classe sont réhabilitées et construites dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Elles sont ensuite équipées en matériel didactique. Des enseignants qualifiés sont recrutés et redéployés sur toute l'étendue du territoire national. C'est un nouveau départ pour l'école ivoirienne. En 2013, les cours se déroulent normalement jusqu'à ce que certains enseignants décident en mars et avril d'observer des grèves à l'appel de l'intersyndicale du secteur éducation-formation. Des points d'accord sont trouvés. Les cours reprennent avec pour dénouement l'organisation des examens à grand tirage. Une nouvelle année scolaire commence le 16 septembre prochain. Élèves, enseignants, encadreurs, parents d'élèves, syndicats, fondateurs d'établissements, partenaires techniques et financiers, autorités gouvernementales, chacun est amené à jouer le rôle qui est le sien pour relever le défi de l'amélioration des résultats scolaires. 41 auditeurs ont reçu hier leur diplôme après une année de formation au programme GPE, gestion de politique économique. La remise de diplôme a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence du directeur national de la BCAO. Qu'est-ce que le programme GPE? Jean-Jacques Kwame nous en parle. L'un des obstacles majeurs à l'amélioration durable de la situation économique des pays africains, c'est le manque de cadres bien formés aux techniques modernes d'élaboration, d'analyse et de gestion des politiques économiques. C'est pour trouver une solution que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, a décidé d'organiser avec la Banque mondiale, à travers l'appui du gouvernement japonais, un programme de formation en gestion de politiques économiques. Le GPE, c'est un programme de renforcement de capacités des cadres des administrations de la sous-région ouest-africaine. C'est un programme sous-régional qui est logé à l'université Félix Houphouët-Boigny et qui travaille depuis maintenant 13 ans. Et pour la 13e promotion, ils étaient 41 auditeurs provenant des 8 pays de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie à recevoir leur diplôme en gestion des politiques économiques. Pour nos économies qui sont encore à la traîne, je crois que nous venons de recevoir une formation qui va nous mettre au devant de la scène, qui va nous permettre de bien décider, de bien discuter, de bien débattre avec les autres, afin que le flambeau de nos pays soit élevé, pour que nous puissions relever le défi du développement. Le programme GPE en Afrique est présent dans 7 pays, dont la Côte d'Ivoire. 494 cadres de l'administration publique, parapublique et privée ont été formés, peuvent postuler au programme GPE, les titulaires d'une maîtrise en économie ou diplôme équivalent étant en activité au moment de la candidature avec au moins
2 années d'expérience professionnelle. Les premières journées de la viande de porc et ses dérivés prennent fin aujourd'hui à Abidjan. Ces journées visent notamment à revaloriser la filière porcine en Côte d'Ivoire et à faire la promotion des produits dérivés de la viande de porc auprès des populations. Hugues Hervé-Blé. Attendu à l'auditorium de la Questave à la population abidjanaise dans toute sa diversité, à l'occasion d'apprécier la viande de porc sous toutes ses facettes. Structure du ministère des Ressources animales et halieutiques, vétérinaires, producteurs, transformateurs et autres intervenants de la filière porcine en Côte d'Ivoire partagent un objectif commun, faire passer la consommation de viande de porc actuellement de 250 grammes par habitant et par an à 1 kg. C'est une viande blanche. Il n'y a pas de gras dans la viande de porc. Le gras se loge dans la périphérie, donc il est très facile de l'enlever. C'est une viande qui est riche en potassium, en zinc. Elle a des qualités nutritives vraiment nécessaires pour la croissance d'un enfant. Ouverte en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, les premières journées de la viande de porc et ses dérivés donnent l'occasion de valoriser le secteur porcin en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin aujourd'hui de relancer cette filière. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des places qui ont été réservées à la vente de viande de porc. Depuis la crise, toutes ces places-là ont disparu. À travers ces journées, l'occasion est plus que jamais belle de relancer toutes ces structures qui sont pourvoyeuses d'emplois. En Côte d'Ivoire, on dénombre 1300 éleveurs avec un cheptel de 53 500 têtes. Avec l'ensemble des intervenants de la filière porcine, ils s'attellent à offrir au pays de la viande de porc de qualité et en quantité sous toutes ses formes. Sept coupeurs de route présumés ne séviront plus dans le centre du pays. Ces individus auraient commis des braquages sur les axes Boaké-Diébonois et Ferke-Sédougou-Kong. Ils ont été arrêtés hier par le CCDO, le Centre de coordination et des décisions opérationnelles. Alvorassa. Ce sont au total sept présumés bandits sur 16 recherchés qui ont été arrêtés par le Centre de coordination et des décisions opérationnelles, CCDO. L'action a eu lieu à Boaké. Disons, on a lancé un appât et ils ont mordu à l'appât. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a pu les récupérer depuis hier nuit. Il y a le chef de gang et sa bande. Il y en a d'autres encore, nous continuons la mission. On a laissé d'autres éléments encore sur Boaké pour continuer la mission. Et c'est peut-être dans les 2 semaines que nous allons les dégommer tous. Ces présumés bandits sont Sanogo Ibrahim, ex-combattant selon lui, Mamou Diko, Dokouri Zakaria, Bari Alassane, Bari Amadou, Bamba Alassane, Sidibé Amadou. Ce sont les noms qu'ils nous ont donnés eux-mêmes. Les 6 derniers cités, selon le CCDO, sont des peuls bouviers qui seraient devenus des braqueurs de grand chemin. Leurs 2 dernières attaques avec le gang ont eu lieu sur l'axe Kong-Ferke-Sédougou au nord, Boaké-Diébonois au centre de la Côte d'Ivoire. Le reste de la bande est recherché par le CCDO. En attendant, ceux qui viennent d'être arrêtés seront mis à la disposition du service des enquêtes de la police ivoirienne. Et l'actualité en bref sur le continent nous conduit à Lampedusa, ensuite en Algérie. Mais tout d'abord, nous irons en Égypte où un nouveau gouvernement vient d'être formé. Regardez. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. La cérémonie s'est déroulée devant le président intérimaire désigné par l'armée, Adli Mansour. Composé de 35 ministres, ce gouvernement aura en charge l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation des législatives d'ici début 2014, avant de nouvelles présidentielles. Aucune personnalité affiliée à une formation islamiste ne fait partie de ce cabinet. Les frères musulmans qui appellent à la poursuite des manifestations de rue ont aussitôt fait savoir qu'ils ne reconnaissaient ni la légitimité ni l'autorité de ce gouvernement. Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie. Le président algérien avait été hospitalisé en France pendant 80 jours à la suite d'un AVC. Sur ses premières images, on le voit en réunion à Alger avec de hauts responsables du gouvernement. À moins d'une aggravation de son état de santé, le président Bouteflika devrait aller jusqu'au terme de son mandat en avril 2014. En revanche, il ne semble plus être question qu'il rempile pour un 4e exercice. La succession est donc ouverte. 3 navires de migrants ont été interpellés au large des côtes de Sicile en Italie.
Au total, ce sont plus de 350 hommes et femmes d'origine égyptienne et érythréenne qui ont été récupérés par les autorités italiennes et emmenés vers l'île de Lampedusa. Selon l'ONU, plus de 8000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, en majorité à partir de l'Afrique du Nord. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée.